Een heel goede avond. In onze serie En de krokodillen spraken hebben we het al over een Vlaming gehad, Achille van Akker, over een Belg, Theo Lefèvre. En dus wijden we het laatste deel aan een Waal, aan André Kools. Op 18 juli 1991 werd Kools neergeschoten in Luik. Twee huurdoders zitten in een cel in Tunesië, maar naar de opdrachtgevers is het gerecht nog altijd op zoek. En door de heisa rond die speurtocht zijn we vergeten wie André Kools nu precies was. De PS'er had in zijn partij een indrukwekkende carrière uitgebouwd. Hij is lang partijvoorzitter geweest, vicepremier en een paar keer minister. En wij gaan nu op zoek naar de man achter die carrière. We zijn gaan praten met vrienden en kennissen. En zij herinneren zich Kools als autoritair en opvliegend, maar ook als een sentimenteel en uitermate hartelijk man. Zijn bijnaam was niet voor niks L'Erolflin des banlieues. We hadden het graag over de charmeur Kools gehad, met zijn echtgenoten en andere vrouwen, maar zij weigerden mee te werken. En zijn zoon Marcel wou wel getuigen. Hij vertelt dan weer over een andere Kools, over een afwezige vader. De dood van André Kools heeft zijn leven eigenlijk volledig overschaduwd. En daarom vertellen wij vanavond zijn levensverhaal. Dit is de historie van André Kools. Conçu dans une maison du peuple. Pendant les inondations de 1926, faites le compte, c'était en décembre, je suis né au mois d'août, donc 9 mois. Mes parents étaient gérants. Et comme il n'y avait plus de clients, je suppose que c'est ainsi que j'ai été conçu. Je crois que ses deux grands-pères ont fait 80 ans de mine. Son grand-père maternel, il considérait que c'était un homme des maîtres, comme il disait, parce qu'il était porion, donc au service des patrons. Mais par contre, son grand-père paternel, pour lui, était le modèle, parce que c'était l'insoumis. Mais caractéristique de tous les mineurs, leur seul espoir, c'est que leur enfant ne soit pas mineur. Je suis bien que mon père, ayant terminé ses écoles primaires, son 4e degré, comme on disait à l'époque, c'était pour un fils de mineur le maximum du possible. André Kools groeit op als enig kind in een arbeidersgezin. Zijn vader Marcel wordt in de jaren 30 vakbondsafgevaardigde bij Coquerel en gemeenteraadslid in Flémalle. Als socialistisch militant komt hij in die woelige crisisjaren in botsing met de rexisten van Léon de Grelle. Bij het begin van de bezetting is vader Kools heel even waarnemend burgemeester van Flémalle. Puis il avait été chassé de l'hôtel de communal de Flémalle par les rexistes qui entre-temps avaient pris le pouvoir. Et rapidement arrêté, puisqu'il était repris d'ailleurs dans les listes qui avaient été établies par ces rexistes et que nous avons retrouvées, que j'ai encore dans mon coffre-fort. Et donc, mon grand-père, qui était né en 1906, est mort en août 42 à Mauthausen. Mais en août 42, mon père ne savait évidemment pas que son père n'allait pas revenir. Ce n'est qu'en 45 qu'il n'a appris. Comme beaucoup d'autres, qui ne reviendraient pas. De jonge André Kools is in Flémalle haantje de voorste van een jongere groep die zich de Keep Smiling Club noemt. Een soort zelfbedachte jeugdbeweging. De jongeren gaan samen dansen, wandelen en kamperen. En ze sluiten vriendschappen voor het leven. Est-ce que André avait un rôle particulier dans ce groupe? Oui, ben oui. C'est-à-dire que pour moi, j'y pensais tout à l'heure le matin, pour moi il est né président. Oui, je crois qu'il en a imposé quand même. C'est pas vrai? Alors qu'il n'en imposait pas. Il n'en imposait pas, mais il s'imposait pas, mais il imposait. Mais il imposait. Oui. Voilà. Il ne le cherchait pas, mais je crois qu'il avait quand même une attitude assez. Pour moi, il est né président. Oui. Toute la famille s'était regroupée. Ma mère avait deux sœurs. On avait regroupé les trois ménages. Et un des oncles était revenu d'Allemagne. Et un autre, lui, était sapeur-pompier.
C'était tout leur groupement familial avec mes deux cousins, mon grand-père, ma grand-mère. Et on partageait. C'était en tout cas une solidarité qui ne s'est jamais démentie dans la famille. In het Atheneum van Seurin toont André Kool zich een uitstekende leerling. Maar de politiek loert al om de hoek. Dites-moi, monsieur Kool, que faites-vous alors après l'Athénée, à la sortie de l'Athénée? Quel chemin suivez-vous? Je rate tout, après ça. Vous ratez tout? J'entre avec Jean et Henri Moreau en première candidature sciences naturelles. Mais je suis déjà pris par l'accord politique. On fait des élections au lieu d'étudier, d'aller chez Baudranguin, je vais à la Populaire, je vais faire de la propagande au balcon de la Populaire, dans le micro, annonçant voter numéro un tel, je ne sais plus. Luik in de jaren 50. André Kools komt er nu vaak, want hij studeert toch nog bestuurswetenschappen in de avondschool. Hij is vroeg getrouwd en werkt als secretaris van de Commissie voor Openbare Onderstand in Flemmal. Daar bouwt hij de grote populariteit op die hij tot ver buiten Flemmal en tot aan zijn dood toe is blijven genieten. Met de actieve steun van de vrienden van zijn vader bereidt hij zich voor op een politieke carrière met Luik als basis. Je crois que Kools a été paterné par trois choses. Par trois choses, trois. Son grand-père paternel, le secrétaire communal de Flemmal-Haute, Léon Jeunehomme, qui était un personnage assez étonnant que moi j'ai connu, vous savez, espèce de petit notable de province, comme avec une canne en bambou, toujours très correctement mis, un homme de l'ombre, mais qui avait un très grand pouvoir, qui était évidemment membre du Parti Socialiste et qui était à la loge, il a eu une très grande influence sur André. Et son autre père, alors, mais alors le père, qu'il a servi toute sa vie, c'est le Parti Socialiste. Ben, je crois que mon père a joué un rôle assez important dans le lancement dans la politique André Kools. En effet, mon père, qui était sénateur et bourgmestre de la petite commune de Mons-sur-Liège, donc commune voisine aujourd'hui fusionnée avec Flemmal, avait une certaine sympathie pour André Kools et André Kools vis-à-vis de lui. Et alors, il prenait André Kools avec lui dans la mesure où mon père avait créé ce qu'on appelle la Fédération liégeoise des pensionnés socialistes. Ah oui, ça le passé, mais monsieur Dupré, voyez-vous, je vous ai souvent dit, pourquoi faut-il que les travailleurs wallons payent les exactions de la bourgeoisie france-quillonne flamande? Mon grand-père n'était pas de cette bourgeoisie-là, et c'est bien pour ça qu'il a dû chercher un refuge en Wallonie. Kools heeft niet alleen de juiste relaties, hij bezit ook de gave van het woord. Oui, mais quand il disait quelque chose, je crois réellement qu'il le pensait. Je suis peut-être naïf, mais je ne crois pas. C'était un tribun aussi, oui, hein, parce que quand il commence à parler, même avec nous, hein, même entre nous, il commence à parler ici. Oui. Ça, il avait... L'élocution facile. In de winter van 1960 staakt de Socialistische Vakbond tegen de bezuinigingspolitiek van de regering Eyskens. Het is de staking van de eeuw, in het hartje van een koude winter. Omdat Vlaanderen niet volop meestaakt, krijgt de strijd ook een communautaire kleur. Er wordt in Luik weer hardop gedroomd van een Waalse republiek. André Kools is al 2 jaar volksvertegenwoordiger. Maar er is geen enkel beeld bewaard van Kools als staker of betoger. Zijn rol is onduidelijk en omstreden. Zeker is alleen dat hij deze dramatische en gewelddadige episode doorkomt zonder zich politiek te verbranden. Hij staat klaar voor het grote werk. In 1968 is het zover. Kools wordt minister in een regering die geleid wordt door de man die de socialisten in 1960 verketterd hebben, Gaston Eyskens. Na het overlijden van een socialistische minister wordt Kools zelfs vicepremier. Met Eyskens vormt hij een merkwaardig duo. Ces Phileas Fogg modernes n'ont pas fait le tour du monde en 80 jours, mais ils ont réussi un tour de force non moins valeureux, puisqu'un pays ingouvernable, comme dit tout le monde, a tout de même son gouvernement. Pour la première fois, pas plus nombreux que le précédent, et plus ou moins structuré comme l'a voulu le constituant.
Hommage soit rendu également à votre compagnon, assis comme il se doit à ma gauche. André Kolz. Monsieur Kolz, nous sommes heureux de vous voir ici. Nous savions, puisque vous êtes né à Flémalgrande, à Flémalhaute, mais devenu bourgmestre de Flémalgrande, que vous étiez voué à de hautes et à de grandes destinées. Nous sommes heureux. In 1973 wordt Kolz samen met Jos van Einde co-voorzitter van de dan nog unitaire BSP. De Belgische socialisten beginnen aan hun laatste hoofdstuk. Ze helpen mee aan de ontmanteling van La Belgique à Papa. Maar hun eigen partij ontsnapt niet aan de beweging die ze daarmee op gang brengen. In Vlaanderen en in Wallonië krijgt het socialisme een eigen gezicht en een eigen stijl. In de buurt van Luik drukt Kolz daar zijn stempel op. In Brussel is Kolz in de eerste plaats een staatsman die zich met zwier door de salons beweegt. Vroeg of laat moet hij verwikkeld raken in een rollenconflict. In 1977 groeit een staking bij de Luikse intercommunale ALE uit tot een openlijk conflict tussen partijvoorzitter Kolz en de Socialistische Vakbond. Kolz haalt zijn gevreesde wapens boven, vlijmscherpe woorden. Dan se demander pour qui il est maintenant, s'il est toujours socialiste ou s'il est passé pour les capitalistes. Je m'égare. Pour vous, c'est un patron comme les autres maintenant. Au pire que les autres. Vos sanctions, vous devez savoir, elles ont été prises à l'égard d'agents non grévistes qui, pendant les heures de service, en dehors de toute convention de grève, ont saboté l'outil. L'outil qui est votre propriété. Demain, je proposerai. Jacques, demain, je propose. Tu le diras au comité fédéral. Demain, au comité fédéral, je proposerai le choix. Continuer à permettre le sous-corporatisme, accroissant les écarts sans justification entre les agents des services publics. Ou entreprendre une politique de solidarité. Woorden, hamerende zinnen. Kolz zet ze in op alle fronten. Mais André, le fait d'être tribun comme il était, il était un peu comédien aussi dans la façon de présenter ces choses, d'attirer, de convaincre, etc. Vous savez, comme Tout politicien qui est vraiment le tribun de la politique, il est un peu comédien dans l'âme. Hein, rien à faire, ça fait partie du métier de la politique. Ja, zijn optreden in het parlement, dat was iets geweldigs, de André Kolz. Résultat très positif, mais tout de même de gentleman agreement. Quand j'ai reçu tous les sénateurs et députés socialistes dans mon cabinet. Mais oui! C'est vrai. J'ai consulté de la manière la plus large, mais je réponds. Monsieur Kolz. Alors à Monsieur Dehaene, son raisonnement, on y reviendra, mais comment lui qui fut le père Joseph de vous, monsieur le Premier ministre. Comment monsieur Dehaene, père Joseph de son éminence, comment peut-il défendre, alors que tout le raisonnement de dire, nous ne jumelons pas les charges,
Comment dites-vous, monsieur le Premier ministre ? Une fois expliqué qui était le père Joseph. Mais le père Joseph, c'était monsieur Dohan. Non. Le vrai. Le père Joseph historique. L'éminence grise, monsieur le Premier ministre. De ? L'éminence grise. Celui qui est toujours derrière l'autre. Qui n'apparaît pas. Qui ne parle pas. Mais qui agit. Il était passionné, il était colérique. Mais il savait parfaitement jouer et de ses passions et de ses colères. Il ne perdait jamais de vue le résultat auquel il voulait arriver. Les entrées, ça c'était quelque chose de formidable, parce que ça s'annonçait très loin. Vous ne le voyez pas encore que le bruit s'intensifiait. Il arrivait dans le couloir. Je ne marche pas d'habitude aussi lentement, hein. Je vais donner l'image d'un homme fatigué alors que je suis encore courir. Tony Truant, disant des bonjours, commençant des conversations, muni d'une serviette énorme, je disais toujours, t'as toujours la même serviette, ce sont les mêmes journaux depuis 20 ans. Bon, il avait des documents devers lui, c'était invraisemblable. Et il s'annonçait, le bruit, et il partait de la même manière, aussi précipitamment, et effectivement, avec des phrases, il avait une voix terrible. Begin jaren 80 zit België in een diepe economische crisis. Het tekort op de begroting is nooit zo groot geweest. De staatsschuld groeit ziender ogen. De regering moet ingrijpen. De socialistische minister van Economie komt onder andere met een plan om de Waalse staalbedrijven te saneren. Er gaan banen sneuvelen. De Waalse staalarbeiders zijn woedend. Een nieuw rollenconflict voor André Kools. Als partijvoorzitter steunt hij de regering. Maar deze keer kan hij het conflict niet bezweren met zijn retoriek. Wanneer socialistische parlementsleden hem afvallen, neemt hij ontslag. UPS, ma dernière conférence de presse. Vous dire combien j'ai toujours apprécié les relations chaleureuses que j'ai pu avoir avec chacun d'entre vous. Alors maintenant. Est-ce qu'il supportait la contradiction? Oui, il aimait surtout les gens qui disaient en face ce qu'ils pensaient. Non, hij heeft zijn de missie gegeven als voorzitter. Dat was toen een 81 gezegd, meneer Vergist. Vond hij dat erg? Ja. Dat heeft hem diep geraakt. Hè? Dat heeft hem zeer diep geraakt en geweldig. Hij heeft er geweldig van, hoe noemden ze, il a souffert daarover. Hè? Jacques Brel, ne me quitte pas, allez. Ah, voilà. L'illusion du président du parti, ne me quitte pas. Voilà, Brel, c'est très bien, je jure, c'est bien. Et les biches, mesdames, puis-je trouver un meilleur disque que celui-là pour vous rendre mal? Vous avez des yeux de biche. Ne me quitte pas, c'est ce qu'ils me disent tous. Ah oui. Ne me quitte pas. Il en fait exprès sur mes mots, Charles. Ça vous donne chaud au cœur. Ceux qui ont des illusions et qui croient aux mots s'illusionnent sur ce que vous brisez aux autres. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a tous dit ça, n'est-ce pas? À demain. Ah oui, c'est vrai, tu comprends. C'est-à-dire qu'André Kos n'était pas, contrairement à des bêtises que l'on a colportées, André Kos n'était pas un homme d'argent. Pas un homme d'argent, mais c'était un homme de pouvoir, qu'il exerçait de temps en temps de manière, on peut le dire, de manière un peu excessive. Il faut placer un minimum de pions sur l'échiquier. Et ça, il aimait bien, il aimait bien poser ses pions. Il adorait ça, il a placé ses hommes à lui. Wanneer op de persconferentie.
tegen die persmensen zeiden, zitten die kleinen hier staan? Wel, dat is een Vlaming, staat Flamand. En een werkman van Kokril. En schrijf me op een boekje, de volgende keer wordt hij volksvertegenwoordiger. En de volgende keer stond ik daar als volksvertegenwoordiger. Il faut dire qu'il y avait aussi les opposants à Kools. Oui. Je ne dirais pas Issa Flémar, mais Matteau. Alors que c'était lui qui l'avait propulsé, oui, où il était. Oui. Eh, il y avait Matteau, il y avait comment, donc, celui de Hologne, oui, Van der Beest, etc., qui étaient devenus des opposants à part. Oui. Eh. Alors, ah, ne parlons pas de ça. De Hous, etc. De Hous. Voilà. C'était des opposants. C'était Liège-Perron, oui, là, oui, c'était, oui, des, oui, opposants. Or, une fois qu'André a disparu, ben, ces gens-là sont revenus en force. Ah, bien sûr, et ont, ça, ah, ils ont hérité d'une bonne chose. Hein? Oh. Oui, ouais. Ils ont, oui, passons. Le chemin est libre, enfin. Oui, 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 ils n'ont plus l'homme fort, quoi. Ouais. Na zijn ontslag als partijvoorzitter heeft Kools niet meer alle touwtjes in handen, ook niet in Luik. Met de reizende ster José Appart kan Kools het niet vinden. Appart vindt vlug een bondgenoot in Jean-Maurice de Oes, een andere jonge Turk van de Luikse PS. Het gaat zo slecht dat er in 1988 twee 1 mei-optochten door Luik trekken. Aanhangers van Appart komen Kools en zijn vrienden in Luik uitjouwen. J'ai l'impression que nous allons avoir un 1er mai fasciste où la liberté d'expression. Ja, zat eenzaam, dat weet ik wel niet. Hè. In Luik zat hem nog altijd het sterkste. Hè. Hier in Luik kon er nog niemand niet aankomen. Hè. Zelfs Appart met zijn 350.000 voorkeurstemmen tegen de André hier in Luik stond als een klein manneke. Hè. Niet dikker als dat, hè? De oppositie tegen Kools groeit met de dag. Een van de oorzaken is zijn beleid als voogdijminister van de Waalse gemeenten. Kools wil onder meer de schuldenberg van de stad Luik aanzuiveren. Het socialistische bestuur heeft er daar een potje van gemaakt. Kools wil zijn eigen vrienden zwaar aanpakken. Moi, par exemple, je crois pouvoir le dire, j'étais pas avec d'autres parmi les amis d'André Kools, les amis. Et quand je dis des amis, c'est tout à fait différent de ceux qui l'entouraient, qui le flattaient un peu, hein, soucieux d'obtenir un mandat, un poste, un avantage, et de ceux qui voulaient simplement ne pas lui déplaire. Et moi, vous savez, sur 40 ans, plus de 40 ans de vie militante avec André Kools, j'ai eu des affrontements très, très, très sérieux. Ça avait au moins un immense mérite. C'était de mettre les problèmes sur la table, et de faire en sorte qu'il soit abordé avec franchise, avec netteté et avec franchise. Donc il n'agissait pas derrière les dos, disons. André Kools, jamais. Lorsque André Kools décidait de prendre une mesure désagréable vis-à-vis de quelqu'un, il le prévenait toujours. Kools fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Oui, mais il prévenait, il prévenait. Il disait, je vais faire ceci. Je ne veux pas que tu sois sur la liste. Il disait, je ne veux pas que tu sois sur la liste, je vais tout faire pour que tu ne sois pas sur la liste. Ou je veux que tu sois à telle place sur la liste, je ferai tout pour que tu sois à telle place sur la liste. Kools blijft de poppenspeler van de PS. In 91 breekt de partijoorlog los. Vous avez lu le standaard ce matin, monsieur? Pas encore, je vais essayer de l'acheter à Charleroi. Vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dedans? Avec De Hoes, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. On vous accuse de comploter contre le président du PS. Allez, c'est moi qui l'ai fait. On parle de vous comme de Léonid Brejnev. Ceausescu aussi. Et Saddam Hussein. Je suis tout ça à la fois. Vous n'êtes pas un comploteur? Ah non, mais il y en a qui regrettent que je découvre les comploteurs. Ils n'aiment pas ça. Ja, maar de complot hebben we goed gevolgd. En André wist wel dat er een complot was. Er was alles op zeker ogenblik een complot van de Hoes en de Matteau en de Appart en de Van der Beest. Die hadden een
complot geprobeerd tegen hem, maar ze kwamen een beetje te klein. Hè? Om hem opzij te zetten? Ja, natuurlijk. Il est vrai que quand j'ai été trompé trois fois, j'ai souvent rappelé le proverbe arabe, hein, si tu me trompes une fois, c'est une erreur, si tu me trompes deux fois, tu es un voleur, si tu me trompes trois fois, je suis un imbécile. Et je n'ai jamais aimé être un imbécile. Et c'est vrai que lorsque l'on a abusé trois fois de ma confiance, à ce moment-là, c'est terminé. Et il vaut même mieux qu'on ne me tente plus la main. Bonjour, monsieur. Bonjour, Tataillé. Ça va? On essaye, dans une situation difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tellement gai pour l'instant, hein? Non, moi non plus, monsieur. Vous êtes triste, vous avez des raisons particulières, vous? Oui, je suis intimidée. Intimidée? Oui. Je suppose qu'il aimait ses enfants comme chaque père aime ses enfants, mais est-ce qu'il savait exprimer son affection? Non, je crois que c'est peut-être une des choses dont nous avons le plus souffert, c'est que cet amour ou cette affection, ben, on ne le sentait que par à dose homéopathique. C'était un homme de cœur, très sensible à la situation de l'un ou l'autre militant, qui connaissait l'un ou l'autre problème. Moi, personnellement, j'en ai connu quelques-uns, nous n'en reparlerons pas, si vous voulez bien. Eh bien, dans ces moments-là, j'ai trouvé un ami, un soutien de très, très grande qualité. Oui. Il peut être brutal, mais il peut aussi une vriendschap betonen, iets geweldigs. Dat was een sentimentele mens. Die kon niemand zien lijden. Ik vergeet nooit wanneer mijn vader gestorven is. Ik heb nog altijd die brief, hè. André Kolze was heel sentimenteel. Veel sentimenteel. Oui, il était souvent ému. Il avait, maintenant le faisait-il exprès, je n'en sais rien, mais de temps en temps, justement, quand il évoquait les souvenirs de son père, quand il évoquait les souvenirs de son enfance, quand il allait à traîneau dans les rues de Flémal, de Chauquier, alors là, il avait facilement les larmes aux yeux, il était facilement ému. Il avait malgré tout une pudeur par rapport aux sentiments qu'il transposait dans sa vie quotidienne. Et par ailleurs, c'était un homme chaleureux, fraternel, disponible. Ça, c'est toute la complexité du personnage. Hij was veel eisend voor hemzelf. En als je veel eisend voor jezelf bent, dan heb je ook het recht van veel eisend te zijn wanneer je de verantwoordelijkheid genomen hebt en aangenomen hebt. Dan, omdat dat goed zou draaien, ja, dan moet je veel eisend zijn. Bien. Maintenant, on attend les retardataires, comme d'habitude. Ben oui, encore une fois, il n'était pas question de ne pas faire le travail qu'on était censé faire quand on était aux études. Bon, ben, il fallait étudier, et quand on n'étudiait pas, ben, il y avait des sanctions, comme passer ses vacances de Noël ou de Pâques en pyjama parce qu'on n'avait pas eu des résultats scolaires suffisants aux examens de fin d'année ou de Pâques. Et nous étions dans le train, on parlait d'une chose et de l'autre, et puis il avait ses dossiers, il m'avait donné un journal pour que je lise un article, pour lui dire ce qui se passait dans cet article. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais écoute André, je dis, travailler comme tu travailles, une vie comme tu en mènes une, et la cigarette comme ça, alors que je fumais aussi, j'ai dit, tu exagérais, tu devrais quand même. Et il m'a dit ceci, je dis sérieusement, je ne mourrai pas dans mon lit, ma fille, il m'a dit. Quel genre de père? Bah, c'était un père absent, en grande partie, il faut bien reconnaître que il était souvent au travail, pour nous il était au travail. Maintenant, il était absent physiquement, mais très présent moralement et très, très présent par la force qu'il dégageait quand il était présent, on s'en souvenait quand il n'était pas là. André Kolze, vous êtes violent? Je crois que je peux l'être, oui.
Je le suis parce que j'ai aussi pas mal de colère, il faut le reconnaître. Mais ce qu'on ne comprend pas assez, c'est que ces colères, c'est souvent contre moi-même et contre mon incapacité de convaincre qu'elles se déchaînent. Mais ce sont les autres qui trinquent. Salut les copains. Et est-ce qu'il avait des défauts, des limites et... André Coles, bon, ils sont tellement visibles que c'est inutile de les nommer. Tout le monde les connaît. Oui. Lequel, par exemple, lequel oseriez-vous révéler? Vous savez, quand vous êtes engueulé pendant des Coles, c'est difficile à supporter. Oui. C'est difficile à supporter, oui, même encore maintenant. Oui. Parce qu'il est cinglant. Ah, il est cinglant. Je me souviens d'une fois où j'étais rentré chez lui. Et finalement, sa femme me dit, mais tu as l'air tout flappy, qu'est-ce qui se passe? Je dis, André vient de m'engueuler. J'étais déjà député, il était virtuellement ministre, ou il allait le devenir, ou il l'était déjà. Ouais. Et sa femme me dit, tu sais Gilbert, André n'engueule jamais que ceux qu'il aime bien. Alors quand je rentre, je lui dis, il dit, ça va? Ben, je dis, oui, Thérèse vient de m'assurer, tu n'engueules que ceux que tu aimes bien, apparemment. C'est l'amour total. Finalement, ça se passe comme ça, et trois semaines, un mois après, on se retrouve, pas exactement dans les mêmes conditions, mais l'engueulade s'annonce. Oui. Et André, il commence, et je l'arrête, et je lui dis, aime-moi un peu moins, André. Pour connaître André Coles, j'ai souvent dit qu'il fallait le voir dans un bar à 3 heures du matin et boire, non pas le dernier, mais l'avant-dernier whisky avec lui. C'est un de l'eau, ça, monsieur. C'est une eau améliorée. Ah. Pourquoi, vous voulez de l'eau? Non, on voudrait bien quelque chose à boire, moi. Et qu'est-ce que vous aimez boire? Oh, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Oh, il y a de la bière. Non, j'aime pas. Il y a un whisky soda. J'aime pas. Il y a du péqué. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est une boisson très liégeoise, là. C'est quoi? C'est une eau de vie wallonne. C'est encore un truc assez. Ça dépend de la quantité que vous en buvez. Bon, alors je vais essayer un tout petit, moi, maintenant. Je vais vous chercher ça. On va envoyer quelqu'un, hein? Eh bien, Alphonse va aller vous chercher un peu, une petite goutte de péqué. D'accord, Alphonse. Allez, Alphonse, grouille-toi, hein? Vous avez écrit aussi, c'est une belle formule, il avait l'apéritif généreux. Oui, c'est une formule pour dire que lorsque quelqu'un prenait un apéritif, il en le prenait deux, il avait ses préparations, je dirais bien, baptisées, parce qu'elles avaient un nom. Et en réalité, par exemple, je crois que c'était quelque chose à base de Campari et de gin, c'était les FGTB, mais c'était toujours négatif. C'était ses ennemis, ses adversaires. Ben c'était les adversaires du moment, ceux qui ne jouaient pas le jeu tel qu'ils le voyaient, donc la FGTB. Salut à tous et à tous. Eh bien, on a décidé qu'on s'y va installer. J'ai fait la hausseur, oui, mais tout reste pas facile. Tu lui donnes l'air sec, José. C'est pas un front commun syndical, hein, c'est un vrai FGTB. Hein. Pas d'orangeade. Hein. Qu'il soit rouge. Tonic est là-dehors. C'est quoi le FGTB? Deux doigts de Campari, un doigt de gin et du tonic. C'est Debune qui m'a appris ça et c'est une bonne chose. Ben c'est bon. Je ne dirais pas que tout ce qu'il m'a appris soit bon, mais ça c'est bien. Qu'est-ce qu'il fait, lui, Alphonse, dans la vie? Il me permet de dormir dans l'auto. Alors c'est lui qui conduit, quoi. Tu as bien compris. T'es un chauffeur, quoi. Oui, mais c'est plus qu'un chauffeur. Non, t'es un chauffeur, dis-le, franchement, t'es un chauffeur. Oui, j'ai un chauffeur, oui. Ben, madame, oui. Moi aussi. Voilà, on peut y aller. Les voitures ne l'intéressaient pas du tout. Et pendant que certains de ses collègues roulaient dans de grosses cylindrées, Mercedes, BMW, etc., le ministre de la région Wallonne, il roulait, voiture de fonction, qui était, essayez de ne pas faire trop de publicité, une Volkswagen Passat. Voilà. Aucune espèce d'importance. Moi, je me souviens quand il a été ministre et qu'il était bourgmestre de Flémal et que je travaillais donc à l'administration de Flémal et au Saint-Nicolas, au fait, comme je dis, je me trouve devant lui, devant tout le monde et je lui dis,
Qu'est-ce que je dois dire, monsieur le ministre, moi? T'es folle. Qu'est-ce que tu as? Oui, il roulait ses cigarettes. Il avait d'abord une machine un peu spéciale, là, que tout le monde connaît. Mais ça l'embêtait parce que d'abord, ça alourdissait encore ses poches avec le paquet de tabac. C'était aussi une manière de crisper l'adversaire ou la personne en face. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un assister à quelqu'un qui roule ses cigarettes. Vous fixez votre regard. Vous ne savez plus rien faire d'autre que de regarder ses doigts qui sont en train de pétrir le tabac, qui roule la cigarette, et puis posément sur le papier, on essaie de coller. C'était une manière, à mon avis aussi, d'un petit peu troubler la personne en face. Ja, hobby's, André, op sportgebied, ging veel naar de voetbal en ik zag hem dan ook nog regelmatig op Standaard en op Serra. Ik heb er nog een foto mee waar we in de tribune zitten op Serra. Is het gezag van André Kools nooit echt betwist. In zijn thuishaven Flémalle. 25 jaar lang was hij daar burgemeester. Hij kende er iedereen en iedereen kende hem. Il aimait tout le monde. Tout le monde l'aimait. De tous les partis, Il aimait beaucoup de monde. Il ne faut quand même pas l'angéliser parce qu'il avait quelques ennemis. Oui, mais il aimait beaucoup de monde en tout cas. Il avait un grand charisme vis-à-vis de tous les gens à Flémalle. Et même à Flémalle, même les gens qui n'étaient pas de son parti, qui ne votaient pas pour lui ou qui ne défendaient pas ses idées. Le bourgmestre, André, parce que presque tout le monde l'appelait André dans la commune, eh bien, on le tutoyait beaucoup. Il se mêlait à toutes les fêtes, à tout ce qui ne se passait pas une chose sur le territoire de la commune où il ne se présentait pas, il se mêlait de tout. Kools koesterde de plek waar hij geboren was. Hij maakte van de gemeente onder de rook van Luik een plaats waar het goed wonen is. Il a amélioré très, très appréciablement le parc, hein, les plantations, oui. etc. Ah oui, la volière, hein, enfin, oui. L'aménagement du parc. C'est magnifique, alors, le parc. Alors, c'est splendide maintenant. Oui, hein, oui. Et alors, pour lui, Flémalle, c'était sa terre, c'était la tradition, c'était ses parents, ses grands-parents, ses amis. Et alors là, vraiment, il était sur ses terres, il était le maître de Flémalle, comme on dit, et ça lui allait comme un gant, et d'ailleurs, il aimait beaucoup. Il ne se fâchait pas quand on lui disait qu'il était le maître de Flémalle, pas du tout. Il jouait très bien ce rôle-là, à Flémalle. Il était dur, hein, je crois. Enfin, moi, j'ai jamais été dans le conseil communal, mais... Je crois que quand il avait une idée en tête... De remplacer le terme qui avait... Ah, mais là, il l'a dominé totalement. Ils avaient une majorité depuis une cinquantaine d'années. Il y avait une petite opposition PSC. Enfin, c'était les intérêts communaux, plutôt. Il y avait, je crois, un conseiller libéral. Et puis, alors, il y a eu des écolos, deux écolos. Et à ce moment-là, il a très mal pris cette... Ah oui, il a très très mal pris l'avenue des écolos dans son conseil communal, parce que lorsque on a ouvert la première séance du conseil communal après les élections, il est de tradition dans tous les conseils communaux de Belgique que chaque chef de groupe, d'un groupe politique, fasse sa déclaration politique pour la législature qui s'annonce. Donc tout le monde l'a fait, et quand la malheureuse élue écolo s'est levée, il l'a absolument empêché de parler, il n'a pas voulu qu'elle parle. La rénovation de Chopier qu'il a faite. C'est joli. Il adorait Chopier. C'est magnifique, Chopier. Mais je dirais bien qu'il serait fier de toute voir la bande adorait Chopier. Je ne sais pas pourquoi. On fait revivre la fête à Chopier. Pour tous les anciens qui, comme moi, ont vécu la tradition régionale liégeoise, il y avait pour nous deux grandes fêtes, les fiers à Atri et les fiers à Chouki.
Il y avait chaque année la fête à Chocquier. C'est une très grande fête. C'est une fête qui puise son origine au Moyen-Âge. C'était une grande foire et un pèlerinage en Saint-Marcellin. Et alors chaque année, le lundi de la Pentecôte, c'est une très très grande fête. Il y a une messe en plein air, il y a un concert à l'église, et puis c'est la foire, quoi. Eh bien, chaque année, André Coles et certains de ses échevins assistaient à la messe et venaient au concert spirituel dans l'église, etc. Et il était à son aise absolument partout. Chose il plaisait, aussi, quoi. C'est qu'on parle, par exemple, que André faisait partie de la loge et tout ça. Je crois que la vraie loge, c'était notre groupe. Parce que nous... Jérôme, pas tout à nous. Non. Lui, je crois qu'il était déçu, pas simplement par la politique nationale, mais déçu par l'évolution d'une société où toutes les grandes valeurs du socialisme, la solidarité, avaient tendance, ça s'accélère d'ailleurs, avaient tendance à disparaître, une société de plus en plus égoïste. Je crois que ça l'a fort déçu. Et en plus, je crois, je vous l'ai dit, je vous le répète, qu'un certain nombre d'hommes l'ont déçu. Les parlementaires, surtout les parlementaires ou les mandataires, doivent tout au parti et le parti. Ce sont tous ces militants qui ne paraissent pas à la télévision, qui collent les affiches sur lesquelles leur tête n'est jamais, qui perçoivent les cotisations, qui assurent le secrétariat, et qui contribue à donner cette extraordinaire chance pour les mandataires du parti, une confiance sincère, généreuse, fidèle. C'est pourquoi j'ai été un mandataire heureux qui a bénéficié de cette confiance pendant tant d'années, et je veux maintenant essayer de reprendre ma place dans les rangs des militants et continuer avec eux le combat pour notre idéal, le socialisme. Merci à toutes et merci à tous. Het portret van André Coles was het laatste deel in onze reeks over grote Belgische politici. Volgende week keren we terug naar oorlogstijd met een verhaal dat u kent uit een filmklassieker, De brug over de rivier Kwai. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moeten Britse krijgsgevangenen een brug bouwen voor de Japanse vijand. Het zijn de manschappen van kolonel Toosey die het zware werk moeten doen. De kolonel heeft hun leven in gevangenschap beschreven op 48 uur geluidsband. En het verhaal van Toosey komt niet overeen met dat uit de film. Volgende week dus de echte historie van de brug over de rivier Kwai. Ik zie u heel graag dinsdag terug.